Bonjour, je m'appelle Didier Dical, je suis comédien et co-directeur du théâtre de Bligny, le théâtre du centre hospitalier de Bligny, à cheval sur les communes de Fontenay-lès-Briis et Brie-sous-Forges dans l'Essonne. Bligny, ça vient d'une colline sur laquelle était un fief médiéval du sieur de Bligny. Alors Bligny, c'est la fameuse méthode Bligny. Dès 1903, le sanatorium de Bligny a complètement changé la donne dans la vie des malades de la tuberculose, car effectivement, le lieu n'était plus un mouroir, mais un lieu où on a des activités artistiques trépidantes. Les patients, on les appelait les pensionnaires, étaient invités à faire du théâtre, de la musique, du chant, de la gravure, de la peinture. Ils faisaient les costumes, les décors, ils apprenaient les chansons, ils étaient metteurs en scène, ils étaient techniciens du spectacle. Ils écrivaient des textes, ils participaient à des concours. Toute l'année, il y avait des compétitions avec des coupes, des trophées, des médailles, toutes sortes de choses qui leur donnaient un bon moral. Et ça, c'est la méthode Bligny qui, entre les deux guerres mondiales, a été adoptée par quasiment tous les sanatoriums de France. Alors le théâtre de Bligny, lui, est arrivé un peu plus tard, dans les années 30, inauguré le 19 septembre 1934, c'était un jeudi. Le théâtre a fermé en 1971 pour 30 ans de sommeil. La Belle au bois dormant s'est réveillée en 2004 après de très importants travaux. L'intérieur a été complètement refait. Avant, il y avait une salle de 625 fauteuils en bois. Fauteuil cinéma à l'ancienne et un petit plateau trottoir format cabaret et une fosse d'orchestre. Aujourd'hui, il y a 206 fauteuils en gradin, de beaux fauteuils rouges confortables. Il y a un grand plateau de 120 mètres carrés où on peut tout faire, hein, du cirque au théâtre, de la musique à la danse. Et le théâtre reçoit toutes sortes d'artistes qui viennent en résidence pour terminer leur création ou bien qui viennent présenter un travail déjà fini et que le public apprécie. En tout cas, venez nous voir, regardez sur le site internet www.théâtre-de-bligny.fr. Vous verrez, le programme vous passionnera et on sera content de vous recevoir. À bientôt. Bonjour, je suis Nicolas Okengem, comédien et metteur en scène, co-directeur du théâtre de Bligny avec mon ami Didier Dical. Alors, Dieu, Darwin, Marcel et moi, c'est une conférence loufoque sur les vers de terre. Alors pourquoi les vers de terre à Bligny, ce spectacle de Sophie Akaoui, pourquoi est-ce qu'on l'a choisi dans le cadre du Festival de la Science de l'Art? C'est que à Bligny, dès qu'il pleut, il y a des millions, mais des millions de vers de terre qui sortent pour faire la fête. Donc on espère que le dimanche où ça sera présenté, il pleuvra. Et d'ailleurs, quand il pleut, il y a plus de gens dans les théâtres. Alors là, on est au pied d'un séquoia géant qui a été choisi par le chef jardinier de Bligny. Alors, c'est un arbre très très volumineux avec un tronc qui est mou. Alors, je ne veux pas l'abîmer, mais si j'enfonce mon doigt, il s'enfonce complètement dans le tronc. Il y a plein de bêtes qui vivent dans tous les interstices. Et c'est un arbre qui a plus de 150 ans. Il a été planté sans doute bien avant la construction en 1903 des sanatoriums populaires de Paris, les sanatoriums de Bligny, qui sont devenus ensuite le centre hospitalier de Bligny. Il n'y a pas de vers de terre au pied des séquoias. Il y a une montagne d'épines. Les vers de terre, eux, sont au théâtre lors du spectacle de Sophie Akaoui, et puis dans les grands gazons verts, les millions de vers de terre vous attendent. Alors ce spectacle, il est tiré d'un ouvrage des vers de terre et des hommes, publié chez Actes Sud, 2014, donc c'est un livre de Marcel Boucher, tout à fait récent. La mise en scène et la dramaturgie sont de Laurent Lévy, et sur scène, vous avez la comédienne Sophie Akaoui et le batteur Augustin Mantelet. Alors, c'est une conférence loufoque, et qui nous invite à réhabiliter les vers de terre, parce que sans eux, la vie sera très compliquée. Et puis, le plaisir de parler du caca des vers de terre, ça c'est merveilleux. C'est créateur, par goût de la justice, pour la reconnaissance des petits, des inférieurs, des besogneux, et puis par envie de distraction sérieuse, sensible et informative, et pour échanger, pour transmettre, et pour penser l'écologie de façon globale, hein, comme Darwin et Marcel Boucher, étudier les organismes avec leur milieu, et pas en hypermyope. Voilà, ça c'est Bligny, ça c'est la science de l'art, c'est au théâtre de Bligny et on sera très heureux de vous accueillir.